tornado on a 40-foot tower. It's 52-foot, but something's either wrong with the antenna or the coax. I got a three standing waves, and that ain't good. And I got a Mako M103 C beam that I'm fixing to put up with a hammer and a roger. I heard it, but we were in almost the same station there, sure does. I'm running actually a Texas Star, little four-field. Driving it real easy. I'm getting, I don't know, 2,300-400 whiskeys out of it. I do have a zero omnidirectional. It's the Game Master. It's about 30 foot to the face, and it works real good, man. I guarantee you, zero makes a good antenna. And then, like I said, my vertical quad there. He's about 38 foot to the face. Hey, Roger, man, that sounds like a winner right there, no doubt about it, but it's loud and clear over here, man. I tell you what, I got about 7.5 pounds on you. Yeah, JJ, right back at you, man. Same thing, you said this morning. I hear you. Roger. Yeah, my buddy out there in Arkansas, well, he goes by Red Eagle, see this shot, Georgia, over. He's the one that's done all the work on this striker. He lined everything up on one of them scopes, you know. And I got a, he's in Bearcat 980 SSB. He done the same thing too. And man, these radios, man, when he gets done, he lets them talk. C'est bon ça, les 73-51, Dandy 33, 14 Bravo Charlie 33-01. Donc là, comme vous avez vu sur les photos, je suis en... Eh bien, je peux même pas dire portable, je peux même pas dire en station mobile, puisque vu l'installation que vous avez vue sur les photos, je suis plutôt en portable, oui c'est ça. Portable, mobile arrêté, quoi. Bon, alors, en ce moment, il y a le Québec qui passe. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais avoir de la chance? Alors, ici, il y a les Québécois qui se mettent là que tous les jours. Hein, c'est leur canal habituel. Attention, le Québec-Canada. Attention, le Québec-Canada pour Dindé 33 qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde en mobile. Je dois avoir un petit problème de terre ou de masse, ou les deux. Est-ce qu'on a M sur cette antenne, la président Himalaya, parce que c'est celle-là qui est montée en haut là, du mât. Là, je suis à 6 mètres de haut, hein, 6 mètres du sol. Enfin, à quelque chose près. J'ai un espèce de petit retour dans le haut-parleur, là on a M. Attention, le Québec-Canada pour Dindy 33 qui lance appel. Alors, 14h25, j'ai pas de montre à aiguille. 14h25, ça fait 20h25. 8h25, pardon. Attention, le Québec-Canada pour Dindy 33 qui lance appel depuis le département de la Gironde sur le sud-ouest de France.
Bon, c'est pas assez fort pour le moment. Qu'est-ce que j'attends? Ouais. Ça va le faire. Alors du coup, le filtre NG, je l'ai enlevé, puisque d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est pour qu'on est en position Vox. Quoique ça paraît logique, puisque pour l'enclencher, c'est ça et là. Donc, en appuyant sur Vox, et on a NG qui apparaît. Donc, pas trop adapté à une utilisation simple. D'après ce qu'on m'a expliqué, c'est pour pas que le micro déclenche intempestivement. Quoi. Quand on est en mode Vox, évidemment. CQDX, appel en direction du Québec-Canada, appel de 14, bravo Charlie, 33-01 Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, en mobile portable. Je vais y arriver. Surtout à la dire, ma connerie. Alors là, évidemment, vous voyez que des vignes, mais bon, je domine là quand même toute la vallée. Aujourd'hui, je me suis rangé un petit peu au cas où il y aurait de l'activité qui viendrait là, au cas où les propriétaires là, des vignes viendraient travailler. C'est que là, avec l'antenne à 6 mètres de haut, je peux pas bouger comme je veux. Enfin, si, je peux bouger, mais y aller tout doucement. CQDX, appel de 14, bravo Charlie, 33-01, qui lance appel et propose un QSY sur le 27-625, 6-2-5. CQDX, appel de 14, bravo Charlie, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile portable, depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, pas très loin de Saint-Émilion. Alors Saint-Émilion, c'est droit devant. Alors sur l'horizon, là droit devant. CQDX, appel de 14, bravo Charlie, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel en portable depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde. Il n'y a pas une bonne radio là. La radio est pas bonne? Salut, c'est Rémi, non? Ok, et là, est-ce que là... Oui, les 73, oui, c'est Rémi. Là, je suis sur la président Himalaya montée à 6 mètres de haut. J'ai l'impression que c'est meilleur sur l'antenne de pouche. Non, c'est complètement dégradé, Rémi. J'ai du mal à t'entendre. Je t'avais même pas reconnu au départ. Ça va pas du tout, hein. Ok, compris. Je vais descendre l'antenne et me brancher sur l'antenne du push. Si tu veux, je peux t'enregistrer et te repasser l'enregistrement. Hein. Non, je te crois. Je QRT, je reviens tout à l'heure. C'est incompréhensible, hein. Heureusement qu'il y a le bip derrière. Hein. Voilà, ça m'est arrivé. Mais autrement, il y a des fois, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Et puis en plus, tu as été jeune, t'as encore le temps de faire des erreurs. Hein. De retour. Test de connexion. Ah, mais ça pèse là, ça envoie du bois, les amitiés. Validé. Ok, les 73, Rémi, Dandy 33, 14, bravo Charlie, 33-01. Eh bien, comme quoi, rien ne vaut une bonne antenne de push face à une antenne de fixe. Bon, ça, c'était de la blagounette. Hein. Alors, pour expliquer, là, puisque là, ça passe mieux, j'avais monté l'antenne, la président Himalaya, à 6 mètres de haut. Au cul du push sur un porte-vélo. Bon, j'ai tiré le câble et tout, au QRA j'ai vérifié l'auto, c'est tout. Mais visiblement, ça avait pas l'air d'apprécier du tout. Hein. Puisque au niveau TOS, j'étais bon.
enfin on dit Voros, enfin bon, peu importe le nom. Eh bien non, c'est le poste fonctionne mieux sur la Wilson 5000. Très fort chez moi, à contrario, les invités de Mathieu, d'ailleurs, je te suis sur YouTube et sur Facebook aussi, au passage, retour. Ok, oui, j'ai entendu le derrière aussi. Oui, Mathieu, ben justement, tiens, là, je suis en train de faire une vidéo. Donc, on verra dans la première partie la cata complète que c'est. Et j'y mettrai justement quelques photos là-dedans. Là, au début de la vidéo, pour montrer ce que j'avais fait, quoi, comme installation, là, ici, là, sur le push. Alors, je suis un peu étonné parce que ça a toujours très bien marché jusqu'à maintenant. Et puis là, aujourd'hui, ça ne veut pas. Mais bon, c'est la première fois que je teste la président Himalaya à 6 mètres de haut sur le George 2. Il y a ça aussi. Ah ben là, si ça avait fonctionné, je pense que tu m'aurais fait saigner le PX, là, je pensais, parce que je sais pas où tu te trouves là actuellement, aujourd'hui, mais ça passe très 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 fort chez moi. Hein. Ok, bon, je vais faire une croix à la peinture par terre pour marquer comme quoi ici c'est à moi, c'est ma place. Alors je suis sur la. Et au fait, je suis comment là au niveau TOS? Ah ben 1-3, bon pour une antenne de mobile ça va, hein. Ouais, 1-2-1-3, donc là où je suis c'est bon. Alors je suis sur la colline de Saint-Magne de Castillon. Voilà, très précisément. Là, collé contre les vignes. Ah ben oui, il y a tous les fils de fer des vignes qui vont là de ton côté, qui me font antenne directive là chez toi. Bon, ça aussi, c'est encore une connerie. Ah non, mais on n'est pas très loin, hein. Castillon, à chez moi, ça fait pas très très, très loin. Hein. Enfin, en parlant d'installation sur le push, tu verrais le mien, c'est pire. Hein. Moi, j'ai une petite Wilson sur le capot directement, je peux pas la mettre ailleurs, donc c'est pas mieux. Hein. Retour. Hein. Ok, ah ben, comme... Comme je m'amuse à faire à chaque fois sur les vidéos quand je suis en push, l'image de départ, c'est eh bien, il y a l'antenne, là, la Wilson qui est posée sur le capot. C'est voilà comment j'ai fait. Bon ben d'accord, c'est adopté. Je reste, la décision est prise pour le coup. Je reste sur l'antenne mobile. Oui, l'autre elle va être rangée et elle va partir au garage. Parce que là, j'ai pas compris là, c'est pourquoi ça a cafouillé comme ça. Sur mon ancien 7009, ça avait très bien marché. Après le Lincoln 2+, ça a très bien marché. Et puis là je sais pas. C'est pourtant la seule différence qu'il y a, c'est le poste par rapport aux précédentes installations. Donc ouais. Bon, ben c'est pas grave. Hein. J'ai plus qu'à démonter l'antenne du cul de la voiture et puis voilà. Hein. C'est un exemple, par exemple, enlevé. On va peut-être faire le retour, je crois qu'il y a Bernard derrière. Retour à toi. Ah bah oui, c'est moi qui t'avais signalé que ça n'allait pas, là, justement, Rémi. Voilà, bah écoute, tiens, on va faire un petit truc, là, puisque là, j'ai découvert comment faire travailler ce TX. 6. Certaines choses. 56. La première fois, même. Et bien voilà, écoute, c'est parti. Et là, coller contre les vignes. Ah bah oui, il y a tous les chutes de fer des vignes qui vont, là, de ton côté, qui me font antenne directive, là, chez toi. Voilà, Rémi, ça te donne une idée comment t'arrives ici, dans le sud de la Charente-Maritime. Ah ben, tu vas rire, ça a même fait monter un point. Ou un demi-point là sur le SMET, tu pourras voir ça dans la vidéo. Du moment où t'as passé ma grande gueule, poum, j'ai l'aiguille qui a monté d'un cran. Ah, je suis trois coups. Putain, oui, c'est là, faut que je touche à rien. C'est oui, c'est clair, net et précis. Chez moi, et de temps en temps je lui dis que sa radio est mauvaise, donc ce matin j'ai pu lui faire écouter sa radio.
Ah, d'accord. Donc, c'est même pas du enregistrant, on va dire, avec le téléphone plaqué devant le haut-parleur, rien. C'est donc là, ça peut pas être plus précis, quoi, au niveau écoute. Ouais, là, est-ce que là j'ai enclenché le NRC là en émission, là pour le micro. Est-ce que de ton côté, ça change quelque chose? Honnêtement, j'ai pas trouvé de différence là de ce que tu as fait. J'ai pas trouvé aucune différence. Oui, autrement, je te confirme, oui, que effectivement, l'enregistrement que je te renvoie, c'est tout à fait ta voix et tout, c'est tout ce que je reçois dans mon haut-parleur. Hein. Ça passe dans mon haut-parleur, bien sûr, mais c'est enregistré directement dans le poste, moi, sur une carte SD. Hein. Je vois même pas où. Voilà, ça passe directement dans le poste. Hein. Et après, quand je rebascule l'enregistrement, il me suffit que je fasse play en appuyant sur mon micro de manière à renvoyer l'enregistrement. Ok, d'accord. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bien ce que j'avais compris. Par contre, là, je vais passer en QRX là quelques instants. Je vais démonter, ranger l'antenne qui est au cul du push. C'est pas la peine que je laisse en place. Et comme ça, en même temps, je vais avoir une oreille là sur le 18 pour voir si le Québec arrive. Il y a des chances que oui. Je sais que Gilles 9 Bravo Charlie 555 est en fréquence pour lui ce matin chez lui. Donc il est quelque part derrière, il suffit que la propague veuille bien se tourner de son côté. Alors je passe là en QRX là, momentanément, le temps de démonter l'antenne, de ranger ça dans le coffre et ne pas avoir à me faire chier pour tout à l'heure. Okay, je reprends mes fesses en QRX, excuse-moi Mathieu. Je reprends parce que je reprends mes pas derrière, faut que je ressorte faire des trucs dehors, là je vais pas rester dans le champ. Je te confirme que le Québec passait tout à l'heure, bon moi j'ai pas voulu faire de contact, mais le Québec passait tout à l'heure, Brésil aussi ça passait pas mal, là. Et le Québec, voilà, donc j'ai bien reconnu le Québec, il n'y avait pas de soucis, tant qu'il soit avec un OM du Sud-Ouest ici justement. Je sais plus qui c'était l'opérateur, enfin bon, ça m'intéressait pas trop, donc j'ai pas trop tendu l'oreille. Je repasse le micro à Mathieu, Mathieu je te repasse le micro, et puis plus tard peut-être sur la QRG. Ah, ça marche. Et bonne journée à toi, hein, Bernard. Moi, je vais rester derrière parce que j'aimerais bien faire un petit QSO avec le Québec, si, savoir si ça passe. Et bonne journée à toi, et puis je vais écouter derrière en attente aussi. Ah oui, tous les jours ça passe en ce moment là. C'est oui, il y a une grosse activité solaire en ce moment même. Et là, tous les jours ça passe là, du côté du Québec. Je l'ai eu en mobile lundi en revenant de Charente-Maritime. Dimanche ou samedi, non, ou c'est l'inverse. Oh, je sais plus. Bon, bref, passons. C'est dans les précédentes vidéos, ça c'est sûr. Hachi trois coups. Bon, je passe en QRX, je reviens. Ok, à tout de suite. Voilà, oui, et puis moi je m'en vais, je croyais qu'il allait me redire autre chose, autrement, Rémi. Oui, en ce moment il y a des ouvertures sporadiques comme ça, hein. Hier c'était l'Afrique du Sud, j'ai fait des contacts avec l'Afrique du Sud, la Jordanie, le Brésil, enfin des trucs comme ça. Mais il faut tomber dessus, tu vois Mathieu, il faut être à l'écoute et tomber dessus parce que la propagation est vachement aléatoire en ce moment. Ça va passer 5-10 minutes, ça s'arrête, ça revient, enfin bref, c'est bizarre. Voilà, de retour, tout est rangé dans le coffre, c'est bon. Comme ça, moi, là, je serai prêt à partir, là, dès que j'en aurai envie. Ah, et Mathieu est toujours là aussi, hein. Oui, ben, je me doutais bien, c'est à toi que je répondais, justement. Puisque... ah ben zut, j'ai oublié son prénom. Pierre, non? Oh, je sais plus. Oh, mais c'est pas vrai, c'était mémoire de poisson rouge, au secours. Ah, t'inquiète pas, on est deux, hein. Moi, ça m'arrive. Non, c'est Bernard qui est parti. Retour. Ok, oui, voilà, Bernard. Hachi trois coups. Bon, ben, tu vois, là, si les années précédentes, il m'arrivait de monter l'antenne à 6 mètres de haut, la président Himalaya à 6 mètres de haut, ainsi qu'à Marraine, ben, là, pour le coup, ça n'a pas voulu le faire. D'où c'est bien, je sais pas. J'aurais envie de dire un problème de masse, forcément, mais je sais pas trop. Enfin, moi je te dirais pas, j'ai repris il y a pas très longtemps et ça faisait presque 20 ans que j'avais pas touché une CB, donc je viens juste de m'y remettre. Arachi, retour. Break. Oui, le break, les 73 de 14, bravo Charlie, 33-01, Rémi, Dandy 33, en push arrêté sur la colline de Saint-Magne de Castillon, le département de la Gironde Est. Petit Dandy, mais bon, 73 de 14, qui
Kilo Mike, 33, 33, l'opérateur Vincent, sur titre, voilà, et bon 73, hein, monsieur Mathieu aussi. Eh bien, on a failli se croiser, Rémi, ouais, parce que je débranche et je suis passé il y a pas longtemps là-bas. Ah, ben ça devait être au moment où j'étais en train, parce que tout à l'heure j'ai fait un test en montant, en refaisant une ancienne installation en push arrêté comme ça avec l'antenne de fixe, enfin une autre antenne de fixe à 6 mètres de haut, mais bon, ça ne l'a pas fait avec, avec le président Georges II. Bon, du coup, le temps de monter, démonter, ben toi, t'as dû passer au moment où j'étais en train de redémonter, quoi, ou monter, ou je sais pas, peu importe, on s'en fout. Ah d'accord, d'accord, ouais, mais oui, parce que je suis passé, bon, moi, c'est la route que je prends tous les jours, ouais, c'est Genève, tu sais, on avait fait un bijou, mais il y a très longtemps, hein, j'avais le Peugeot Expert, on avait fait exact. Un bijou, devant le, qu'est-ce qu'ils avaient fait dans la petite cave à vin, ou je sais pas quoi, là, la petite épicerie, là, mais moi, je passe là, puis bon, ouais, j'étais fou, bon, ça fait un petit moment que je t'ai pas entendu, là, c'est ce que je disais à François, voilà, mais je fais un retour sur Mathieu, ben, voilà, pour les amitiés. Les amitiés, j'ai pas retenu ton prénom, tu vois, le poisson rouge. Mais Guitre, on est juste à côté, donc ça va, je pense que j'ai pas trop de mal à t'entendre. Mais retour à toi. Oui, Mathieu, y a pas de souci, c'est Vincent, là. Voilà, Vincent. Bon, impeccable. Ah, ça passe bien les deux, vous passez très bien, hein. Voilà, Rémi, je fais la vidéo, je la mettrai. Je la mettrai, tu verras comme ça, comment tu maries mon client. Ah, bah, en tout cas, de mon côté, c'est du 58, hein. Ah ben voilà, ouais, c'est juste la, ouais, c'est juste le 6009 là avec la demi-onde à ouais, 6 ou 7 mètres du sol, et voilà, j'ai d'habitude je trafique avec le tout le dipôle, mais bon, comment dirais-je, en local ça marche pas terrible, hein, c'est plus il fonctionne mieux pour le DX que le local. Voilà, ben toi c'est pareil, tu m'en veux bien, y a pas de souci. Oui, bon, c'est un petit peu normal, mais on va dire. Il y a ce qu'il faut derrière aussi, hein. Hachi. C'est parce qu'en plus de ça, là, en ce moment, là, tous les jours, il y a le Québec qui passe. C'est pour ça que là, il y a ce qu'il faut d'allumer derrière. Oui, ben j'imagine bien. Mais combien ils sont, ton Georges, en puissance? Alors, si je coupe ce qu'il y a derrière et que lui, je le monte à fond, là, en BLU, il sort 35 watts. Et en AMFM, 10 watts. Et ben là, pour le coup, là, tu peux diviser par deux, vu que je rentre dans l'ampli. Donc 5 watts en AM, et puis je sais plus combien en BLU. D'accord, ouais, non, parce que ouais, c'est à peu près pareil, 85, c'est le 85 de mon côté. La radio, rien à dire, nickel, ça fonctionne très très bien, voilà. C'est un retour, Mathieu. Ouais, ben chez moi, je vous reçois tous les deux pareil. Hein. C'est toujours pareil, 58 pour les deux. À part Rémi qui a une radio, j'ai l'impression de le regarder à la télé, tellement la radio est claire et nette, c'est impressionnant. D'ailleurs, retour à toi, Rémi. Ouais, justement, je suis en train de reculer. Je vais me remettre au croisement pour donner un peu plus de vue, parce que les OM qui vont regarder la vidéo, à force de voir les vignes, ça va les saouler à force. Alors voilà, je suis en train de faire une marche arrière, que je ne m'attrape pas de morceaux de briques là, qu'ils ont mis là, dans le chemin pour reboucher les trous. Non, c'est bon. Ok. Ouais, voilà. Ben, en tout cas, tu vois, là, je suis un peu déçu là, de mon test avec la président Himalaya là, que je monte là d'habitude à 6 mètres de haut. Je sais pas pourquoi ça a pas voulu le faire. Peut-être qu'il y a une PL tout simplement qui était mal serrée. C'est possible. Pourquoi? C'était quoi le problème? Alors, eh bien justement. Oh merde, Mathieu, oui, c'est ça, oui. Pourquoi te le dire, ça m'a complètement dégradé la modulation et tout. C'était complètement saturé, c'était cracra. C'était difficile à me reconnaître apparemment, d'après Bernard. Et c'était rendu à ce point-là. Et là, c'est sur la président Wilson, donc l'antenne du push, c'est redevenu propre, ça repasse à nouveau à fond. Ah, il y a peut-être un petit problème de taux sur ce genre-là. Mais pourtant, le TOS, je l'ai contrôlé. Et dans la vidéo, de toute façon, on le voit, parce que du côté du poste, je le laisse en permanence. Voilà. Et pour avoir un visuel comme ça, pour avoir une idée comme ça, même si c'est pas à lui que je fais le plus confiance. Je préfère le TOS mettre externe.
Et donc chez moi, j'avais tout contrôlé, tout réglé et tout, ça, nickel. Peut-être que c'est tout simplement que je vais mettre Serine PL, hein, c'est possible, hein. C'est, je sais pas. Donc un jour peut-être que je referai l'expérience. Mais là, ce qui est sûr, c'est que demain, si je fais quelque chose, ça sera depuis QRA. Parce que vendredi matin, on prend la route. On prend la route du Pas-de-Calais. Ah, ça y est, tu refais une montée, d'accord. Ah, oui, j'avais cru comprendre ça. Ah, mais disons, j'ai un truc, hein, tu viens de s'installer, là, je sais pas trop ce que c'est, il y a un bruit bizarre. Enfin, oui. Je sais pas si c'est les parkings qui atterrissent ou quoi. Ah, là, ou si c'est une balise, ça m'étonnerait. Ouais, j'entends ça aussi. Je crois qu'il y a le Brésil en plus derrière. Ouais, non, mais ça c'est des trucs qui balaient la fréquence. Ça va partir. Ah, je sais, c'est chiant. Ouais, ton problème, hein, peut-être qu'il y a une PL qui passe mal ou un truc genre là, ouais, c'est possible, c'est fortement possible qu'il y ait mauvais contact, hein. Mais là, bon, t'es nickel, y a rien à dire. Mathieu, à toi. Ah, je sais pas, c'est un retour à chef aussi, avec ton ampli et ton antenne dans le poste, peut-être que ça, il y a eu peut-être un mauvais retour, hein, je sais pas. Oh, j'ai cru. Je sais pas, j'ai cru entendre Gilles, 9 Bravo Charlie 555. Oui, non mais sans doute, hein, une connerie comme ça, hein, donc possible qu'il y ait une PN mal serrée. Puisqu'au niveau TOS, ça allait, c'est tout le reste qui était barré, qui s'était barré en cacahuète. Voilà, ça m'est arrivé dans un genre, et puis c'était la PL qui était vraiment fatiguée, quoi. Je me tourne un peu plus du côté Québec. Forcément, ça faisait un petit arc sur les mains, et puis ça s'est tout merdé. Oui, attends deux secondes. Il y a une voix derrière qui me semble reconnaître, je suis pas sûr. Attention, 9 Bravo Charlie 555. Attention, 9 Bravo Charlie 555 pour 14 Bravo Charlie 3301. Rémi, qui t'appelle? Ça gazouille, mais j'y arrive pas à décortiquer. Non, je confonds, je me trompe peut-être avec le Brésil. Ah bon, c'est pas moi qui déconne, ça va. Parce que dans la blagounette, il y en a qui me disent « Putain, mais t'arrives à entendre des trucs que moi j'entends pas, quoi. » Et plusieurs fois j'ai remarqué ça, on me dit. Oui, Gilles, il est encore pire que moi, quoi. Ah la vache, quand je travaille ces vidéos, hein, là sur le PC et tout ça, je le vois répondre à des stations, je dis « Mais à qui il répond? J'entends rien. » Et pourtant, lui, si. Ah, j'entends quelqu'un qui répond. Ah, j'ai entendu One for Bravo Charlie. Non, oh, je sais plus. Bon, en tout cas, c'était pas en français. Il y a un petit peu de tout, on dirait même. Ouais, il y a un petit peu de mayonnaise, il y a un petit peu de choucroute, il y a un peu de tout, là. Par contre, je pense que tu le connais. Delta Bravo, je sais plus comment, là, qui avait eu un souci avec son canot, là, t'as eu des nouvelles? Ah, là, la seconde, comme ça, moi, pas au courant, ou moi, zappé. Tu l'as jamais copié, peut-être à propos, je sais son la suite. Ben, c'est que, là, depuis quelques mois, j'ai pas fait beaucoup de QSO, là. Mis à part avec vous autres, mais c'est tout, sorti de là en DX, j'ai rien fait jusqu'à maintenant. C'est y a que là avec le retour de mes vidéos là, on va dire que je suis à nouveau en fréquence. Mais avant ça, c'était plutôt soit ça voulait pas répondre ou la propa qui voulait pas se lever.
l'année dernière, il était détruit des pas après. C'est vrai qu'il était souvent sur le 2935, et voilà. Oui, je crois que c'était le 3 SUP. Le 3 SUP SUP. Neuf Delta Bravo, opérateur Daniel, Québec-Canada. Et en fait, il avait une trafic avec un Kenwood. Il a eu un souci. Et en fait, c'est vrai que depuis, on n'a plus de nouvelles. Attends, laisse un blanc. Non, ça devait être du côté Brésil. Non, autrement, MSIO, de toute façon, les deux fois sub, j'y vais jamais. Ou alors, ça va être comme ça, pour me balader, on va dire. Et sinon, j'y vais jamais. Bah, je vais jamais moduler là-haut, en tout cas. D'accord, ah, ben, là, il y a une poussée, de mon côté. Ouais, je sais pas ce que c'est qui arrive, là. Et, ouais, comme tu dis, c'est au Brésil ou un truc dans ce genre, parce que ça c'est pas que ça arrivera de partir dessus, mais pas vrai. Ah, quand même. Je suis sur quoi, là? Ah non, je suis position 5. Ouais, non, je veux pas pousser plus. Non, ça serait pas prudent. Non, il faut pas. Ah, mais des fois, tu vois, les longues distances, ça arrive à la limite. Ils ont passé plus fort que nous, donc c'est bon, des fois, voilà. Mais Mathieu, il est là. Ouais, en plus, j'étais en train de penser à Mathieu, j'allais lui faire un retour de micro. Explore aussi, mais pas encore au-dessus de Rémi, ça. Ah, mais là, même à toi, il m'a été grignoté. Ah, ouais, mais moi, j'ai reçu un carton, là. Pourtant, on est à 3 km à vol d'oiseau, hein. Faut le faire quand même, hein. Je vais refaire la vidéo, quoi. Tu vois, si pour qu'il refait un partage, je la posterai, tu verras que je raconte pas les conneries. Il m'y va, il va carton chez moi. Ah, ouais. Ben, c'est parce qu'il y a un bon profite de leur côté, hein. Ouais, c'est presque du 55 de mon côté là au niveau du Brésil. C'est ouais. Bon, si le Brésil est là, en AM, je sais qu'elle est USA. Le Québec doit être là. D'ailleurs, ils se sont fait entendre tout à l'heure là, le Québec sur d'autres fréquences. Mais bon, là, Gilles, 9 Bravo Charlie 555. Il faudrait peut-être sortir du plumard un petit peu là et puis prendre le micro à chi trois coups. Non, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, ben tu vois, ça repart, ça remonte, ça fait des pointes de mon côté. Ah ouais, ça me fait des pointes à 7, hein, chez moi. Ah, mais ils rigolent pas, hein. Ils rigolent pas, eux. Ouais, c'est pas grave, ils sont mieux équipés, c'est tout, ça passe mieux. Et puis, il y a la propag. Après, tant mieux, hein. Ça permet de faire des longues distances. Tu sais, équipement ou pas équipement, si la propag est pas là, ça passe pas, hein. Exactement, hein, t'as pas avoir 2 kilos, ça va pas passer, pas trop, hein. Bon, mais moi je vais vous laisser, il faut que j'aille faire une petite sieste parce que demain matin, 2h encore, bon, ça va tirer. Allez, Mathieu, les bosses sont 13, Rémi, pareil, et puis, écoute, on verra demain si vous êtes là-dessus. Vas-y, Mathieu. Ok, ben, bonne journée à toi, bonne sieste à toi, Vincent, repose-toi, parce que debout 2h du matin, ouais, ça va piquer sinon. Retour, Rémi. Merci pour le retour, ben, les bonnes 13 à toi, bon repos. Demain, si j'ai le temps de prendre le micro, ben, ce sera depuis le QRA, comme je disais tout à l'heure. Là, j'en profite aujourd'hui. C'est le seul moment là où j'ai avoir le temps là, d'en profiter. C'est là. Là non, j'allais dire une connerie, je m'abstiens. À chi trois coups. Ok, eh ben, Mathieu, si tu es d'accord, on va se balader un petit peu à droite à gauche, hein, voir un petit peu ce qu'il y a, si on peut s'attraper des EM du Québec. Bon, si c'est pas Gilles, 9 Bravo Charlie 555, c'est ça d'autres EM du Québec. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je peux te suivre, mais moi je connais pas les fréquences que tu fais habituellement parce que je suis rarement l'après-midi sur le TX. Là, je travaille pas donc j'en profite, mais sinon je suis rarement à cette fréquence-là, on va dire.
Ah ben, tu où tu veux, hein. C'est par contre le Québec, ils vont aussi bien en zéro qu'en terminaison 5. Hein. C'est faut balayer, faut fouiner. Voilà exactement ça. Faut aller surfer sur la vague des ondes. Que ça soit j'ai déjà dit, j'allais radoter, ouais. N'importe quoi. Et pour ma part, de toute façon, je navigue encore plus large que ça, puisque je descends même sur les 40 canaux de ce côté-là, voir un petit peu ce qui s'y passe. Je ne me mets pas de frontières, on va dire, à ce niveau-là, dans les plages de fréquence et modulation. Ça ne sert à rien de se mettre des frontières. On a toute la plage de fréquence pour nous, tous les modes pour nous. Et bien, autant en profiter, j'en profite. C'est pour ça que quand tu me dis que tu vas me suivre, oui, bien sûr, ça va être compliqué l'affaire. Ah ouais, c'est sûr, hein. On n'est pas connecté pareil. Non, mais il n'y a pas de souci, toi, tu auras plus de facilité sur les zéros. Moi, il faut que je décale avec mon Eniton. C'est pas la même chose que toi. Toi, tu appuies deux fois sur un bouton et tu es sur zéro. Mais il n'y a pas de souci, je sais faire. Ah, mais attends, toi, justement, je saute sur l'occasion, vu que tu as un Eniton. À chaque canal, tu es obligé de redécaler pour être sur les zéros, c'est bien ça, non? Tout à fait. Chaque canal, je suis obligé de tourner pour repartir à zéro. Il n'y a que le plus 10 où j'appuie sur un bouton. Voilà. Parce que j'ai eu la version CRT il y a quelques années, c'est-à-dire le 6009. Et ça m'a pris de chou, ça. Et c'est vrai qu'il est pas évident à utiliser. Hein. Non, alors que là, moi, avec le George 2, comme ça a été le cas avec le Lincoln 2+, comme ça a été le cas aussi avec le CRT 7009, quand je me mets sur les zéros, après je peux balayer toute la bande sur les zéros. C'est voilà, quand je me remets en terminaison 5, ben, je rebalaye toute la bande dans la terminaison 5. Comme sur un décamétrique en fin de compte. Ah, tout à fait, j'ai le Lincoln 2 aussi. Hein. Donc le Lincoln 2, ouais, tu te cales sur 0 et après tu balayes tout le reste. Hein. Mais là, non, sur le Eniton, c'est le même que le 6009. Hein. La seule différence, c'est l'éclairage qui est orange et sur le 6009, il est bleu. Voilà, retour. Hein. Ah oui, t'as pas le choix des couleurs en plus. Tiens, je suis en train de penser que... Ah oui, il faut que je mette de l'ombre au poste, puisque là, je vois là sur la caméra, en fin de compte, on voit pas bien le lui mettre. Ah, j'ai fauté là. Bon, j'ai un carton de près derrière, je l'attrape de suite. Ah mince, ça veut dire que quand je vais regarder ta vidéo, je vais pas savoir à combien je te passe. Ah, mince. Mais si. Là, je suis en train de regarder. Quoique les chiffres, on les voit pas bien. C'est vrai que c'est pas top. Là. Alors, attends, que je mette mon carton. Non, mais ça me fait quoi là? Pourquoi tant de haine? Alors, est-ce que c'est complètement à côté? Ah, bah oui. Ah, oui, ça y est, j'ai trouvé. Ah, zut, c'est moi qui ai relâché. Oui, ok, bon, là, ça va le faire, oui. Bon, je suis pas encore bien au point, mais ça va le faire. Ah, il paraît que la couleur orange va mieux quand il y a du soleil par rapport à la bleue. Je sais pas, tu devrais peut-être faire l'essai, tu verras. Alors, sur le Lincoln 2+, ce que je faisais, c'est la nuit ou quand il fait encore nuit, oui, je passais sur le orange, comme ça, au niveau de la caméra, c'était pas trop flashy. Et la journée avec le soleil, je passais sur le vert. Sur le bleu, c'est ma couleur préférée, donc c'est bleu, nuit et jour, hachis. Ok, alors attends, je suis en train de repérer un truc, et bien là aussi, hein, je suis bleu ciel, mais bon, j'ai laissé, parce que dessus, il y a le réglage du contraste, non, je suis pas encore au point là, qu'est-ce que je fais moi là? Si, ça va le faire. Là, voilà. Ouais, bon, il y a mieux, mais c'est plus cher. Ouais, là, je suis sur le bleu ciel, et au niveau contraste et tout, ça, là, j'ai pas touché. J'ai laissé au milieu, ça. Oh ben, comme ça, au moins, ça changera pas des autres vidéos. Mais c'est déjà pas mal, hein. Ça fait des bonnes qualités quand même. Retour. Ouais, c'est vrai que là... Là, de ce poste, oui, ok pour les vidéos, mais de ce poste, c'est vrai que j'en suis vraiment super content. Hein.
C'est, il est même au-delà de ce que j'attendais au niveau qualité et puis au niveau filtrage. Putain la vache, je vois là quand si on écoute, si tu écoutes la vidéo là de quand je suis allé, là, j'ai fait l'aller-retour en Charente-Maritime. Putain, mais le bruit de fond qu'on entend, en fin de compte, c'est la fenêtre du côté de l'XYL qui était ouverte, qui était un peu entrouverte. Et c'est voilà ce qu'on entend, quoi. Ah ouais, il filtre bien. Moi, je suis embêté par les QRM, donc heureusement qu'il y a des filtres qui marchent pas mal sur le Eniton, sinon ça serait compliqué pour écouter déjà que ça allait malgré les filtres. Mais ouais, le tien, il filtre quand même bien, hein, oui, puis le micro prend bien aussi, hein. Oui, d'ailleurs pour le micro, il y a un filtre que j'ai enlevé, c'est le NG, qui d'après les explications est plus pour ceux qui utilisent le Vox. Donc lui il sert à rien, au contraire. Mais là, ouais, j'ai le NRC demi aussi bien en émission qu'en réception, et réglé enfin, à quelque chose près au milieu, parce que je suis à 3. J'ai regardé un peu les vidéos sur internet, c'est surtout sur 3 que les OM le mettent. Et c'est vrai que vu les retours et tout, faut pas plus ni moins. C'est nickel. Et au niveau filtrage, toi tu as. Putain, mais je suis en train de regarder là, j'ai le soleil à nouveau là. Non mais il me fait une blague de soleil. Attends, que je. Mais il passe par où? Par où il passe? Non mais c'est pas vrai. Attends, je suis en train de faire le con. Ah, d'accord, ok, trouvé. Voilà. C'est vrai que sur le Georges 2, j'en étais content aussi, hein, du filtrage. Mais là, avec le, en plus du NBANL HECUT, tu as le NRC réglable 5 positions. En réception comme en émission, et c'est vrai qu'en réception la vache il est efficace, hein. Je l'enlève, ça soit de suite, hein. Ben moi sur la Uniton j'ai le filtre NR, ça va être à peu près l'équivalent de ce que tu as, mais il n'est pas réglable, tu l'actives et puis c'est tout, par contre il coupe bien et tout, il souffle derrière et il isole vraiment que la voix, retour. NR, c'est pas NRC plutôt, c'est que NR. Ah, ben c'est, tu sais, les chiffres affichés dans les menus, ça fait bizarrement, il n'y a que NR tout seulement, hein. C'est on et off et NR, point. D'accord. Bon, y a de plus en plus de filtres qui s'ajoutent là aujourd'hui. C'est vrai qu'ils se sont décidés quand même à faire des efforts de ce côté-là, là, les marques. C'est, ouais. Ah, et pourtant, c'est pas, ils sont pas tout jeunes ces postes-là. Hein. Les Nitonais, il est pas récent, tu vois. C'est le 5555 plus. Ils sont pas récents non plus. Hein. Ouais, comme quoi, bon, tout le monde n'évolue pas à la même vitesse. Hein. Mais là, c'est vrai que je vois par contre, là, du côté président, là, ils ont fait fort. Hein. C'est, ouais, chapeau bas. J'ai pas eu le temps de trop regarder le nouveau 8009, voir le CRT 8009, voir un petit peu ce qu'il donnait, fouiller un petit peu sur internet. C'est, y en a qui en disent du bien, bon maintenant je sais pas, c'est à voir. Moi je regarde pas, je me ferai mal au cœur. Mal au cœur ou mal au porte-monnaie, donc je regarde pas. Quand j'aurai les moyens, je regarderai. Pour l'instant, je fais avec mes moyens, mais c'est. J'évite de regarder parce que sinon, je vais pleurer. Hachis trois coups. Au fait, tout à l'heure, je lui ai dit que là, on allait partir en balade. Ouais, chacun de son côté. Voir si on attrape le Québec. Et puis là, on est reparti à papoter. Alors, en tout cas, profitez-en aussi là, pour aller jeter un coup d'œil là, sur le forum de la planète Sibi francophone. Je parle pas du groupe Facebook, hein. Je parle du forum. Hein. Là, il y a pas mal de trucs justement au niveau post et tout là qui sont pas mal. Ah, faudra que je regarde parce que je suis beaucoup de monde sur Facebook et même sur les forums, j'y vais aussi. Donc je jetterai un œil, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème pour ça. Ah ouais, non, mais au contraire, hein, c'est pour que tu te fasses un peu plus mal aux yeux, quoi. Ah, chi. Attends, moi, c'est vrai qu'il y a un autre poste là, qui m'aurait bien plu aussi.
Putain, alors là, celui-là, c'est le striker, là, le dernier. Putain, mais il a 6 000 et quelques... Non, n'importe quoi, 600 et quelques euros, quoi. C'est... Merci les Américains de surtaxer les postes. Ouais, super. Quoique, on fait la même chose dans l'autre sens aussi. Hein. Donc, c'est un prêté pour un rendu, on va dire. Mais bon, un poste de CB à 600 et quelques euros, waouh, ça fait mal. Hein. Déjà là, le George 2, il fait mal quand même au portefeuille aussi. Allez, je vois que là, je suis encore reparti à papoter. Je voulais essayer d'attraper un peu le Québec, là, aujourd'hui. Je vais t'envoyer les bonnes 113-51 et peut-être tout à l'heure sur la route des ondes ou à la prochaine. Pas de souci, pas de navigation alors, et bon QSO si t'arrives à attraper le Québec, voilà. Bon après-midi à toi. Merci, à plus. Salut. Qu'est-ce que je fais là? 1212 QRA familial avec ta permission, et puis on se dit à bientôt en fréquence. Là, maintenant qu'on a réussi à t'entendre, je pense que ça ne devrait pas poser de difficultés pour les prochains congés. Ciao. Tac, double clic dessus, double appui dessus, et voilà, je suis sur les zéros. Putain, c'est pas beau ça? Tu vas t'habituer à la maison, hein, va faire un petit tour, moi j'ai rien à faire, comme on dit, et puis peut-être un plus tard, au cas contraire, ça va être demain. Ah ben, c'est bon, 73, merci. Attention le Québec-Canada, attention les stations du canal 26 du Québec-Canada pour Dundee 33 à 14, bravo Charlie 33-01 Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Non, c'est pas décidé. C'est propre comme modulation. Ça passe à fond. Petite vibration dans la caméra, c'est chiant ça.
peux pas tout avoir. Ah bon. C'est pas trop du bon côté. CQDX, appel de 14 Bravo Charlie 3301 qui propose un QSY sur le 27 625 625. CQDX, appel en direction du Québec Canada. Appel de 14 Bravo Charlie 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Attention le Québec-Canada, attention le Québec-Canada pour 14 Bravo Charlie 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, département de Gironde. São Paulo. C'est pas la même direction. En tout cas, pour les nouveaux, pour les novices, rien n'est acquis d'avance en radio. Je parle de... Je fais allusion à tout à l'heure quand j'avais monté mon antenne. La présidente Himalaya, là, à 6 mètres de haut, au cul de la voiture. Ça a toujours bien marché avec le précédent poste et tout, ceci, cela et tout. Ça. Sur le salon de marraine avec. Et là, aujourd'hui, eh ben, ça n'a pas envie. Il y a forcément une explication quelque part, ça c'est sûr. Mais bon. Thank you.
CQDX, appel le 214 Bravo Charlie 3301 qui propose un QSY sur le 27 625 625. CQDX, appel le 214 Bravo Charlie 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest France, département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion, question la bataille. J'étais opérateur Jérôme 14 kW 3350 7351. Ok Jérôme, les 7351 à toi. Oh je. Bah si Jérôme ça me parle. Oh putain, cette mémoire. Aïe aïe. Ah attends, faut que je bouge la voiture. J'ai quelqu'un qui arrive, là je suis en plein milieu d'un croisement. Pas de soucis. Voilà, c'est bon. Ouais, je suis en plein là, dans les vignes de Saint-Maine-de-Castillon, de ce côté-là. Je suis en train de faire de la Sibylle, là, hein, voilà. je me suis installé là. Ah oui, d'accord, ok. Ben, c'est les propriétaires des vignes là, qui se baladent. Là. Il fait son petit tour et tout, ça, tac, ok. Et il a vu ce que je faisais, c'est bon, il m'a fait signe. Ok, parfait. Ben écoute, tu m'arrives avec un signal de 9, une radio... 6-7, super, très très bonne. J'ai vu que tu avais changé de matériel. Oui, affirmatif. Je suis là avec un. Je suis maintenant avec le président Georges II. Et franchement, c'est. Je suis bluffé. Je suis bluffé. D'ailleurs, là, je suis en train de faire une vidéo, là, une nouvelle vidéo. Et c'est vrai que je suis bluffé. C'est. Waouh! Ah bah écoute, super. Écoute, j'ai vu le début de ta vidéo où tu disais donc que tu avais changé. J'ai pas eu le temps de regarder les différents QSO que tu avais fait avec. Mais j'ai vu ça. Bah écoute, je suis en mobile, moi, du côté de Moulon. Alors Moulon, c'est après entre Génissac et Frontenac, je sais pas si tu vois. Génissac Frontenac, si ça me parle. C'est pas vers le nord Gironde de ce côté-là? Ouais, je pense que c'est quand même le sud Gironde, mais si tu veux, on se rapproche gentiment de Créon et après Langon. Ouais, bon, d'accord. Encore une fois, j'ai tout compris. D'accord, non, je me suis planté complètement. Non, effectivement, ah bah oui, t'es carrément, ouais, Gironde Sud. Ok, d'accord. Ah bah oui, bah là, je t'attrape en diagonale, par rapport à diagonale gauche pour moi, puisque là, je suis orienté plein ouest. Ah ok, écoute, bien reçu. Écoute, parce que là, je suis en mobile, alors moi, je suis toujours avec le président Lincoln 2+, que j'ai pris grâce à toi, d'ailleurs, hein, grâce à tes vidéos, parce que je le trouvais super bien, et tu vois, ça marche pas trop mal. Eh bien, tu vois, là, c'est du 57 et pas mal 58, hein, là, de mon côté. Ah, je vois le propriétaire là, de Sébine là, qui est en train de remonter dans sa voiture. Je me recule, voilà, pour lui laisser le passage. C'est lui qui est chez lui, hein, c'est pas moi. Ok, voilà. Ouais, ben, de toute façon, hein, j'en ai toujours été content hein, du Lincoln 2+. Hein. J'ai jamais eu de problème de quoi que ce soit avec. Hein, aucune panne, rien. Jamais aucun défaut avec. Et c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que ben, le matériel radioamateur et tout, bon, c'est vrai que ça finit comme... Ah, ça a commencé par me saouler. Putain, je suis en train de me saouler à force de rester au milieu des vignes. Et... Salut, voilà, au revoir. Le mec, il est content. Comme c'est là, il est venu voir ses crapes de vigne, mais je pense que c'était plus pour voir ce que je suis en train de faire. C'est... voilà. Ok. Voilà. Ah, zut, j'ai relâché le micro, désolé. Non, mais c'est vrai que j'ai jamais eu aucun problème hein, avec le Lincoln 2+. Hein. D'ailleurs, c'est bien parce que j'ai réussi à le vendre que j'ai pu m'acheter le Georges II. Hein. J'avais envie de changer, j'avais envie d'autre chose. Et c'est vrai, comme je disais là juste avant, le metal radioamateur, ben, ça finit par me gaver. C'est plutôt ça en réalité. Hein. Bon, dès qu'un métrique à la maison, je ne le vendrai pas, même si ça me tente quand même.
Mais bon, après, j'ai plus rien pour naviguer, sur, pour faire de l'écoute comme ça, à droite, à gauche, sur les bandes décamétriques. Donc, je le garde uniquement par rapport à ça, quoi. Il y a un break derrière, Rémi. Oui, oui, par politesse. Par politesse, je te le laissais. Oui, le break. Ok, les amitiés de Mathieu de Coutras. Rebonjour, Rémi. les amitiés à la station derrière, je sais pas qui c'est, mais les amitiés de Mathieu. Mathieu, opérateur Jérôme. Alors, l'origine, c'est la commune de Cardon. Cardon, c'est à côté de entre Longueron et Cadillac. Ok, pas de souci. Bon, je me suis calé sur toi parce que je t'entendais mal. Je te reçois beaucoup mieux là, comme ça. Ok, ok. J'ai cru comprendre que tu avais un Lincoln 2, si je me trompe pas, en écoutant un break retour à toi. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on disait avec l'ami Rémi. Comme lui aussi, il avait ça comme matériel, on discutait un peu de ça. Et tu vois, là, j'ai vu sur une de ses dernières vidéos qu'il était passé, je crois, au Georges 2, retour à toi, Rémi. Affirmatif, le Georges 2. Voilà, comme je disais juste avant, hein, le matin, le diamateur, ça finissait par me gaver à force. Je m'amusais plus. C'est ok. Là, j'ai quelque chose de plus fun, plus joli, et avec une envie de le personnaliser un petit peu dans son style, de le tuner un petit peu, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Il y a un petit peu de déco là, de dessus, là, de fait. C'est alors le Georges 2 est vraiment dans l'esprit sibique qu'on peut s'imaginer. C'est-à-dire cool, pas se prendre la tête, joyeux, avec du folklore et tout ce qui s'ensuit avec. Je te laisse trouver la musique que tu veux dessus. Ouais, retour à toi, Mathieu. Zut, c'est vrai, j'ai oublié de citer le prénom, c'était à toi que je faisais le retour du micro. Mathieu, on a passé là tout, pas loin d'une demi-heure en QSO là tout à l'heure. Ah, tout à fait, oui, on a passé une demi-heure pas loin, oui, c'est ça, il y a un petit moment. Ah, ok, bien reçu, ok. Oui, oui, de toute façon, Rémi, t'es plus côté bande civile que radio amateur, si j'ai bien compris, tu fais juste de l'écoute de temps en temps. Retour, Rémi. Oui, affirmatif. Oui, oui, tout à fait. Hein. D'ailleurs, dans ma tête, les choses sont très claires. Hein. Je ne me prends pas pour un radio amateur ou amateur radio. Non, je suis cibiste, point barre, quoi. C'est hachi trois coups. C'est, je fais de la cibie en AM et tout ça. Et quand l'occasion se présente, ben, je fais du DX. Donc, en tant que DXeur, quoi. Mais bon, voilà, je reste vraiment zen. Je me la pète pas, on va dire, parce que je vais avoir un beau poste ou quoi que ce soit, ou je vais avoir un tel type de matériel. C'est chez moi, ça influence pas du tout ma façon de voir. Ah, chi, retour. C'est ça. Ben oui, non, mais c'est vrai qu'il y en a de suite. Je sais qu'il y en a qui font la course à ça, histoire de dire tiens, j'ai un poste plus gros que le voisin. Quoi. Alors là, moi, je m'en tamponne. Ouais, c'est pas grave. Ouais, ouais, voilà. Là, je me fais plaisir, je me ramuse à nouveau en fréquence. C'est comme quoi, des fois, un changement de poste, de style. Et là, je rigole plus. Je prends plus plaisir là avec un vrai poste de CB qu'un poste radio amateur. C'est ouais, ce coup-ci, j'ai réussi à sortir ma connerie. Ah ben, ouais, mais écoute, t'as bien raison. Hein, du moment que tu prends du plaisir et que tu te prends pas la tête, moi, je vois les choses de la même manière.
Mais tu vois, j'ai même les enfants là qui m'ont taquiné un peu parce qu'on va peut-être essayer de passer la licence radio amateur histoire d'aller un peu plus loin, tu vois, de faire un peu peut-être pas le tour du monde, mais juste dans cette idée-là, d'aller plus loin au niveau des QSO. C'est juste ça qui me titille, tu vois. Après le reste, je vois pas. Je fais la course à rien du tout, que ce soit au niveau vestimentaire, bagnole ou matériel. Et t'as bien raison. Ça, c'est pareil, chacun fait ce qu'il veut et je m'en tamponne. Retour à toi, Rémi. Ouais, c'est vrai qu'au niveau matériel, moi, c'est pareil, hein. C'est chez moi, bon, j'ai le Yazoo FT450AT. Pourquoi? Parce que j'ai une place de 70 cm environ de large. Donc j'ai cumulé en un seul appareil. C'est le choix de ce poste. Sinon à la place, je me foutrais d'écouter des autres bandes. Ce serait un vrai poste de CB qui aura la place, quoi. Autrement, c'est vrai que là, pour en revenir à celui que j'ai dans la voiture, là, le nouveau, au niveau filtrage, il est bluffant. Il est vraiment bluffant là au niveau filtrage. Et au point que des fois, je me fais surprendre. Il va y avoir des grands blancs et tout, mais je montais un peu le volume. Et là, quelqu'un m'arrive, putain, ça me gueule dans les oreilles, ça me défonce les tympans. Donc, il y a une nouvelle habitude à prendre à ce niveau-là, c'est-à-dire à pas trop monter le volume. Salut, là, j'ai un trou, là. J'ai un gruyère. Oh, il a pas reconnu, Denis. On est presque voisin. Le couillon. Il y a un moment que je t'ai pas entendu. D'habitude, je t'entendais parler avec Gilles là, sur cette fréquence. Voilà, je faisais le tour de galette, il dit putain. Il a arrêté la radio, je sais plus de radio, tatati, tatata, mais genre, on dit toujours à la radio. J'espère que ça va. Salut, merde Mathieu. Voilà, qu'on s'est parlé l'autre jour, et puis la station Jérôme qui est du côté de Moulin, Cardan, mais non. Voilà, bon. Je vois que tu es toujours à la radio, je croyais que tu avais arrêté, moi je t'entendais plus, mais je te replace le micro et tu fais passer aux autres. Ok, merci. Non, pas du tout. Au fait, je suis en train de faire une vidéo. Si ça te dérange, je couperai cette partie-là. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Non, pas du tout. C'est vu qu'il n'y avait pas de propag, quand il n'y a pas de propag, je reste pas à attendre comme ça, comme un idiot, à chier trois coups. Bon, je dis, sur le ton de l'humour, hein, je reste pas à attendre en sup. Hein. Je redescends du côté des 40 canaux homologués, du côté des 40 canaux par là, en AM. Et les stations avec qui là je suis justement, Mathieu, tout ça, on se copie en AM. Hein. Tout à l'heure, il y avait... j'ai oublié son prénom. Putain, mais c'est la journée, moi. Il y avait un autre OM aussi, là, du coin. On se copie de temps en temps, comme ça, tac, là, en AM. Mais bon, eux, c'est quand je suis au Cura, ça m'est plus difficile de les avoir, car je suis dans un trou. Là, je suis dans le push sur la colline de Saint-Maine-de-Castillon, c'est-à-dire qu'en ligne de mire, là, sur ma gauche, j'ai le Leclerc. Donc là, je suis le Leclerc de Saint-Maine-de-Castillon. Donc là, je suis sur la colline. Ouais, ok, oui, mais comme t'avais, comme autrefois, là, quand on faisait QSO le soir, on était là-bas avec plusieurs. En même, c'est Vincent, François, non, parce que je sais que c'est Vincent ça. Et François, ils se mettent en AM, ils sont beaucoup de l'AM, voilà. Non, mais voilà, ok, mais je vois qu'il y a, bon, t'es toujours à la radio, c'est le principal. Bon, c'est pareil, je vadrouille. Bon, celui-là, je m'en rappelle plus, c'est Mathieu, ou Jérôme qui voulait passer la licence, j'ai entendu qu'il avait la licence radio amateur. Ouais, si tu veux, tiens, la licence radio amateur, maintenant, bon. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, chacun son problème. C'est pas parce que tu auras la licence de radio amateur que tu feras plus de QSO et que tu feras plus de contacts. Voilà, suffit que tu aies un poste. Ça sera plus varié. Le directif. Ça sera plus varié. Et quand il y a la propague, tu fais autant de
le contact que les radioamateurs. Hein. Et s'il aime parler technique. C'est pas vrai, t'as la licence que tu vas en faire plus. La licence a pour faire l'avantage, bien sûr, pour aller sur d'autres bandes, ça c'est sûr. Mais tu sais que quand la propagande est là, avec une bonne directive, ça marche bien. Voilà, bon, ben, je vais repasser à Mathieu, puis Mathieu, tu feras tourner. Voilà, voilà. Non, c'est pas moi qui veux passer ma licence, hein. Moi je suis trop feignant pour ça. Non, je la passerai pas, je suis pas fait pour ça, moi. Pour parler, oui, j'adore. Du coup, retour à Rémi. Wow, je sais pas ce qui s'est passé, là, c'est descendu à Saint-Hugo 1 de mon côté. Et tu peux laisser Rémi, ça me dérange pas la vidéo. Ok, d'accord. Ok, ouais, j'allais trop poser la question. D'accord, ça marche. Mathieu, non, Vincent, oh, je sais plus. Oh, ça y est. Oh, putain, c'est pas vrai. Au secours. La station qui vient de prendre le micro, tu peux me revenir, s'il te plaît. Je sais pas si c'est moi qui n'ai pas eu un relais au niveau d'Alpha Lima qui est resté collé et que du coup, ça m'a coupé la réception. Ou alors toi qui as eu un souci. Attends, il faut que je recule à nouveau, j'ai quelqu'un qui est en train de passer en quad ce coup-ci. Ok, ben c'était Mathieu, non, j'ai aucun souci, hein. Tout marche comme d'habitude. Ben, je sais pas, c'est peut-être toi qui as fermé les yeux au même moment. Hein. Retour à toi, Rémi. Non, c'est bon. Mais c'est vrai que je l'ai jamais réparé ça. De temps en temps, j'ai un petit relais là qui fait l'andouille là au niveau de l'Alpha Lima. Et qui du coup me coupe la réception. Ouais, j'ai le même problème sur un autre modèle. Et en fait, ça dépend de la position dans laquelle tu le fixes. Il y a une position où le relais peut avoir du mal à se refermer. Donc essaye peut-être de voir si en changeant la position de ton Alpha Lima, ça ton relais se remet plus naturellement en mode normal. Non, mais ça le fait pas souvent. Hein. Attends, ça a parlé derrière, là, pour le coup. Il y a Jérôme et puis Mathieu Compa qui ont commencé à parler en même temps. Ah, ça va être compliqué pour se comprendre. Un peu, Mathieu. À revenir en position normale et les gens, des fois, commençaient à parler avant qu'il ait décollé. Voilà, retour. Je reprends le micro, moi, à vitesse, je vous laisse. Voilà, bonne continuation. Et je vous dis à une prochaine fois. Moi, vu l'heure que l'on est 3 ou 4 heures, je m'en vais sur la fréquence des États-Unis. En Lima, Sierra Bravo, comme hier, il y avait beaucoup de monde. On va tourner la directive là-bas, on va essayer à faire quelques petits contacts. Voilà, allez, Denis, Mathieu, Jérôme, je vous dis à plus tard. Et à la prochaine, bonne continuation. Ok, les bandes 73 à toi, bon QSO, ouais, je devine où tu vas. leur fréquence d'appel, voilà. Bon QSO, à plus. Ah ben oui, c'est la fréquence, c'est 385 en animation. C'est ça. C'est pas une fréquence qui est cachée, voilà, puis tu peux y aller, puis tu peux faire des contacts, j'ai déjà fait des contacts, plusieurs. Il parle, je parle pas anglais, mais il y en a qui parlent français quand même. Voilà, c'est fait qu'ils énervent en français, c'est déjà bien. Nous, on est trop fainéants, les français, on n'apprend pas l'anglais. Eux, ils apprennent à parler français, mais nous, on n'apprend pas à parler anglais. Allez, bonne continuation, bonne fin de QSO, et à plus tard. Allez, à toi, Jérôme, et après, je quitte. Ouais, bien reçu, Coyote. Écoute, bon QSO, passe une bonne soirée, 73 à toi. De toute façon, je vais reprendre la route là parce que je m'étais posé un peu là pour discuter avec le voisin Rémi. C'est vrai que d'habitude, je te capte souvent bien que ça quand tu es à ton QRA. Mais après, moi, c'est pareil, je suis pas à mon domicile, je me suis un tout petit peu rapproché, donc c'est plus facile. Même si mon antenne est plus petite, mais bon, ça passe quand même, c'est pas mal. Mais ouais, je suis d'accord que bon, je suis pas obligé de passer la licence, mais c'est la licence permet juste d'attraper d'autres bandes de fréquences. Après, j'ai pas de directive, j'ai vraiment pas beaucoup de matos, donc bon, pour l'instant, je fais avec ce que j'ai et c'est déjà pas trop mal. Merci du conseil, en tout cas, retour Rémi, tu passeras Mathieu peut-être après.
Attends, j'aperçois le gars dans mon dos là. Attends, qu'est-ce qu'il me fait? Il me passe sur le côté. Ok, voilà. Voilà, ok. Ah ben, qu'est-ce qu'ils sont curieux aujourd'hui, dis donc. Je les vois tous passer un par un là pour voir ce que je fais, quoi. C'est normal, Rémi, avec le problème qu'il y a dans les vignes, vu qu'il y a eu des orages pour la vigne, là, les grappes qui ont été foutues, et puis ils croient qu'ils étaient en train de baiser du raisin pour le volant. Oh putain, surtout pas, quoi. Ça m'appelle une connerie, ça. Et ton gamin, j'avais goûté une fois comme ça du raisin, du raisin pour le vin, quoi. Oh putain, la vache, je l'ai recraché de suite. Hein. Oh, je me suis dit plus jamais, quoi. Et en fait, je change de conversation. T'as appris pour ton voisin? Mon voisin. Voisin proche ou voisin éloigné? Les voisins, je te parle à la radio, moi. Ah! Qui c'est qui m'a dit ça, quoi? Personne me l'a dit. J'ai entendu comme ça. J'ai entendu sur les ondes qu'il aurait QRT, quoi. Non, mais qu'on disparaît, là. JP, puis JP, toi, qui c'est? Oui. Ils sont deux à avoir QRT. Oui, banque. Tu m'as compris quand j'ai des QRT. Hachi. J'adore aussi aller sur cette fréquence. C'est comme plus bas, le canal 6 et 11 en AM. Ouais, je me régale derrière. Je prends ma piqûre de Funkler à fond. Et moi, avec le Lincoln, j'ai le Lincoln de plus là. Je suis sur le 26 985. Voilà, mais il reste que là-dessus. Je vais pas ailleurs avec, en fait, je pourrais aller ailleurs. Mais 26 000, merde, je ne me rappelle jamais la fréquence. 985, voilà. J'étais en train de parler, parce que tu sais où j'habite, Rémi. Et devant chez moi, il passe plein de convois. J'en connais des dizaines et des dizaines. À chaque fois qu'ils passent, ces cons, ils me foutent un grand coup de klaxon et je discute avec eux. Voilà où je suis l'après-midi. Enfin, j'ai le décamétrique qui est allumé. Et puis, dès qu'il y en a qui klaxonne, j'allume le Lincoln. Voilà, ça fait passer le temps. Eh bien, t'as bien raison. Et à propos de temps, je suis en train de regarder. Ouais, 4 ans moins 5, 4 heures. Oh putain, ça va être l'heure du cappuccino, ça. Va falloir que je cuirte, hein, pour rejoindre l'XYK, parce que là, on est en vacances en plus. Pour aller se cogner un cappuccino au cuira. Ouais, moi, je reste un petit peu, puis après, j'irai. Hop. Ok. Bon, allez, j'arrête de parler ici. Salut Rémi, salut Mathieu, salut Jérôme. Et je vous dis à plus tard. Je quitte, je vais voir maintenant sur la fréquence. Parce qu'après, bon, si je dois m'en aller, je dois partir. Genre, je ne vais pas rester trop longtemps. Parce que discuter sur une fréquence, discuter sur une autre, et puis tu vois, un peu pas l'heure. Après, il sera 7h ou 8h. Ça va vite après. Allez, bonne continuation. À plus tard. Je te repasse le micro, Mathieu, et je ne reprends pas, moi. À plus tard. Ok, mais bon cuissage de l'autre côté. Hein. Bonne soirée à toi, Coyote. Ok. Ouais, le cappuccino, c'est pas mauvais, mais je préfère un bon petit thé au citron. Hein. Retour, mince, j'ai oublié ton prénom. Rémi, pardon. Ah bah tu me fais plaisir. Au moins, je suis pas tout seul à avoir un gruyère à la place du cerveau. Putain, puis là, aujourd'hui, la vache, je suis très fort. C'est au secours. Bon, bah en tout cas, je vois que le Québec n'a pas l'air de montrer signe de vie, là, ici, là, sur le 625. Enfin, je vais dire Gilles, de Bravo Charlie 555. Ah, je suis persuadé qu'il a tenté le coup. Hein. Mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas. J'ai fait un tour, là, tout à l'heure, un peu de qu'est-ce... Oup, là. J'essaie de faire deux choses en même temps, ça ne me réussit pas. Voilà. J'ai fait un tour tout à l'heure, un peu partout, ça, en AM, en BLU.
Et Brésil, américain, Brésil, américain, c'est, ça tourne surtout, surtout là, quoi. Ok, alors Jean-Luc du Québec, je finis de déjeuner et je rejoins en onde. Ok, ben ils sont derrière. Hein. Et ça, c'était tout à l'heure. Ils sont derrière. Voilà, ils sont plusieurs là derrière la porte, mais bon, quand ça veut pas s'ouvrir, ça veut pas s'ouvrir. Qui c'est qui a perdu la clé ? Oh mince, faut faire un double alors. je vais vous souhaiter 73 à tous les deux, parce que je suis en train de rouler, je risque de vous perdre. Rémi, je te souhaite un bon cappuccino, si à l'occasion il t'en reste gentiment laissé de côté, ça sera avec plaisir. Et puis comme je sais que tu vas poser la question, il n'y a pas de souci pour la vidéo, tu peux le mettre dedans, ça me gêne pas. Allez, 73 à tout le monde et puis bon cuisson. Ok, il n'y a pas de problème. Et pour le cappuccino, pas de problème. Une fois rendu au QRA, je te sers une tasse et je te l'envoie par la fenêtre. Si, j'adore. Je l'attends avec impatience. Merci. Ok, les 73-50 à toi. Ah oui, pour répondre aussi tout à l'heure, au QRA, la maison, je suis à 50 mètres d'altitude. Et dans un creux en plus, dans une cuvette. Alors que là, ici, ben, je suis sur la colline, je suis à quoi, allez, 90 mètres par là, oui. 90, 95 mètres d'altitude, autour de ça, là. Ah oui, ok, bien reçu. QSL, ben écoute, en effet, ça passe très très bien. Mais après, je sais plus, t'as une directive au QRA, toi? Non, je suis que sur vertical. Moi, je suis feignant, ouais. Et je suis feignant, et puis quand j'allume le poste, je vais pouvoir entendre à 360 degrés, quoi. Ouais, ok, ben écoute, bien reçu, mais écoute, j'ai exactement la même chose, donc... alors, c'est pas de la feignantise, c'est que pour l'instant, j'ai pas de mâche, j'ai pas d'antenne plus costaud que ça, et ça roule, donc je m'en prive pas, voilà. Allez, 73, et puis on se dit à bientôt, merci. Ok, merci. Et puis en plus de ça, je suis dans une zone à Bâtiment de France et je suis pas sûr que ça passerait, la directive. Ça paraîtrait un peu trop. Déjà que là, c'est une manteau Vabit que j'ai. Elle est entièrement peinte, peinture à l'eau pour l'extérieur, en vert palombière. Car derrière chez moi, j'ai des grands peupliers qui font peut-être 90 mètres de haut. Oh oui, facile. Et si c'est pas le cas, non, peut-être pas à ce point-là, mais une soixantaine de mètres de haut, oui, ah oui. Ils sont hyper hauts, ces cons. Et bon, comme ça, l'antenne se confond dans le paysage. Voilà. Bon, là, en tout cas, la seconde même, c'est le WebSDR qui est au QRA, là, qui profite de l'antenne. Les modes 73-51, retour de micro sur Mathieu, si je ne me suis pas trompé. Ah non, tu t'es pas trompé, impeccable. Mais par contre, moi, j'ai oublié encore le prénom de notre ami. Donc, je lui souhaite quand même la bonne après-midi à lui. Et au plaisir de se recopier. Parce qu'en plus, de mon côté, je sais pas, j'étais en train de perdre. Donc, voilà. retour à toi. J'ai oublié ton prénom, tiens. Oui, opérateur Jérôme. Oui, je suis en train de rouler, donc je pense que ça va bouger un peu. Merci Mathieu, 73, et puis avec grand plaisir à la prochaine. Ok, à la prochaine, retour à toi Rémi. Ok Jérôme, merci, bye. Eh bien toi, je vois 16h arriver, je le sens pas moi le Québec là. Ou alors ça va arriver d'un coup tout à l'heure. Quand on aura QRT. J'ai le téléphone qui sonne à la maison. Ok, je te laisse, 73, bon QSO téléphonique, à plus. Merci, bonne journée à toi, bonne soirée, ciao. Merci, ciao. Eh bien...
capté. Attention, Dundee, est-ce que tu reçois l'aréole? L'aréole, oui, oh ben tu m'étonnes, les 73, l'aréole de 14, bravo Charlie, 33, 01, Rémi, Dandy, 33, en push arrêté sur la colline de Saint-Magne-de-Castillon. Ouais, salut Rémi, les voix d'amitié, donc c'est Alain, on s'est déjà attrapé une paire de fois quand t'étais en mobile. J'ai presque plus de batterie. Au boulot, là. Donc c'est Alain au-dessus de l'aréole, là, je suis à 10 km au-dessus de l'aréole. Négatif, c'est 14 bombes 007 comme l'agent secret. Ok, oui, sur le canal 19 en AM, quand j'arrive sur Saint-Émilion et que je fais le tour des murailles là, de ce côté-là, quoi. C'est bien ça, je me trompe pas. Oui, tout à fait, oui, t'avais même enregistré, t'avais mis la vidéo là. J'avais retrouvé la vidéo. Ouais, bah écoute, ça passe super bien ici, hein. Ici, 56. Tu reçois un signal 8 là. Excellente radio, ça passe très fort. C'est la première fois que je t'entends aussi fort. Ouais, c'est 55-56 de mon côté là. Disons que depuis il y a eu un changement de poste. Et là maintenant je suis avec le président Georges II. Voilà, bon j'ai réussi à revendre le Lincoln 2+. Et grâce à la vente du Lincoln 2+, j'ai pu m'acheter le Georges II. Et franchement, je regrette pas le d'avoir changé. C'est ouais. Il n'y a pas photo, c'est le jour et la nuit. Hein. Même si je n'ai eu aucun problème avec le genre de Georges II de quoi que ce soit, il a toujours bien fonctionné. Voilà, ok, ça y est. J'ai la batterie de la caméra qui avait lâché. Quoi. Attends, comment, qu'est-ce que ça donne? Ah si, il me faut un peu d'ombre encore. Ok, voilà. Non, c'est le Georges II, depuis le dernier QSO, le Georges II, je l'ai vendu. Voilà. Attends, je vois quelqu'un qui arrive en face de moi, qui est à pied, mais bon, je montre très bonne figure, voilà, je recule un peu. Elle est avec son chien en plus, ok, voilà. Le Lincoln 2+, je l'ai vendu. Et avec la vente du Lincoln 2+, j'ai pu m'acheter le Georges II. Ok, ben écoute, ouais, je connais pas trop ce monstre, c'est vrai que je regarde pas trop. Enregistrez le break. C'est une très très bonne radio, le signal est très bon, hein. Je sais pas combien t'envoies en watts, et moi je suis, bah j'ai pas des masses, là. Je suis à une dizaine de watts modulés, un truc comme ça. Et moi, je suis toujours avec le même poste, avec le CRT 7009, le dernier, là, la version V. Ah oui, et à ce qui paraît, il est nettement mieux que le précédent, quoi. C'est même si le précédent m'a bien marché toujours très bien, parce que bon, j'ai jamais eu vraiment de problème avec. Oh, quoique, si, non, je sais plus. Non, je crois que j'ai jamais eu vraiment de problème avec. Le Lincoln 2+, non plus, hein, j'ai jamais eu aucun problème avec. Si ce n'est que quand on met un micro préampli, un truc comme ça, sur le Lincoln 2+, il faut faire attention. Des fois, tu te retrouves sur le canal d'à côté, quoi. Et du coup, et là, avec le Georges II, je suis en micro d'origine aussi. Et vu comment il percute, franchement, j'ai pas envie de mettre de micro préampli, loin de là. Hein. J'ai eu des retours, même retour vidéo de niveau modulation. Et franchement, avec le micro d'origine, c'est très bien, quoi. Ouais, il y a quelqu'un derrière, hein, qui siffle, je sais pas si tu vas m'entendre. Hein. Ouais, ok, non, mais ça passe très très bien, hein, ça passe très très bien. Mais moi, de mon côté, là, je suis avec Zetagi MD+5, là, le micro de table traditionnel, là, qui est branché dessus, et j'ai fait la modification, je l'ai tout transformé, parce que c'est des prises... Ah, je les ai reconnus derrière. Là, sur les CRT 7009, c'est vrai que ça fait un peu problématique parfois. Et donc ce que j'ai fait, je me suis pas embêté, au lieu de mettre des adaptateurs, j'ai débranché le MD+5 et j'ai tout transformé en le cordon, hein. J'ai enlevé le cordon accordéon et j'ai mis un cordon traditionnel RJ45 là, que j'ai ressoudé dedans et qui se branche directement normalement sur le poste. Ben, sauf que moi je passe encore par un adaptateur en plus, pas un adaptateur mais une prise multiple RJ45, parce que je me suis fait
un petit boîtier aussi, tu sais, avec des boutons pour monter et descendre, comme sur le micro d'origine, tu sais, avec le bouton des canaux pour monter et descendre. Voilà, le problème, c'est que quand tu mets un micro de basse, par exemple, ou un autre qui n'a pas ça, ben, tu es obligé d'utiliser la molette tout le temps. Et ce que j'ai fait, donc, j'ai tout passé en RJ45 avec multiprise RJ45. Et donc, je branche sur cette multiprise mon le micro que j'ai passé en RJ45, plus ce petit boîtier que j'ai fabriqué avec deux boutons qui me permet de monter et descendre les fréquences, et ça évite de tourner continuellement le rotateur des canaux. Ouais, je comprends bien. Et c'est vrai que mais là, t'as une très bonne modulation, hein. Tu verras là dans la vidéo là que je suis en train de faire, donc 16h10, voilà. Ok, tu verras dans ces environs-là, là, quand si tu regardes la vidéo là en avançant comme ça dessus, là tu as une super modulation. Hein. C'est, oui. Ouais, ok, je te remercie. Après je mets celui-là, j'avais fait des essais avec des stations du coin, il n'y avait pas une grosse différence au niveau modulation par rapport au micro d'origine. Le micro d'origine sur ce poste-là, il est vraiment opérationnel. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un léger écho, tu sais, derrière, mais vraiment pour rajouter légèrement en profondeur là, au niveau de la voix. Donc j'ai monté un peu l'écho et j'ai monté également le délai voilà, sur l'appareil, mais sans le pousser pour que ça donne un petit truc en plus, voilà. Bon, moi j'en suis content, hein. Ça fait pas très très longtemps que je l'ai, tu vois, je suis comme toi. Avant j'avais le CRT 6009 ben, qui m'a lâché, et puis après ben, du coup je suis passé à celui-là, parce que j'avais plus du tout de poste à l'époque, donc plus de CB, plus rien, même pas un petit poste ou un BK ou quoi que ce soit. Et donc j'ai racheté celui-là direct, comme apparemment il avait l'air d'être pas trop mal. Et c'est vrai que j'en suis content, ouais. Par rapport au 6009, ben, il n'y a pas le problème, tu sais, du clarifieur qui reste tout le temps en mémoire quand tu touches les boutons et tout ça. Avec celui-là, c'est quand même beaucoup plus simple. Sur les tiens, je ne sais pas s'il y a possibilité de bouger les fréquences sur les canaux, parce que sur celui-là, c'est toujours le problème aussi. Quand tu te mets sur un canal et que tu passes en fréquence, tu vas modifier la fréquence, ça va rester toujours après sur le canal où tu étais, donc tout est décalé. Et moi j'ai réglé le problème, en fait, je me mets sur une des mémoires de l'appareil, ce qui fait qu'après, j'utilise en mode VFO, si on peut dire, en étant tout le temps sur la fréquence, sur une des mémoires, ce qui fait que je ne dérègle pas les canaux. Voilà. Je ne sais pas sur les présidents s'il y a ces problèmes-là, mais c'est vrai que sur CRT, c'est un peu compliqué, parce qu'à chaque fois, celui qui ne fait pas attention et qui touche les canaux, qui passe en mode fréquence, ben, il se dérègle tous les canaux. Oui, tiens, ça me rappelle un ancien poste que j'ai eu, là, le CRT 6009. Donc ça devait être dans les débuts, hein, pas loin des versions 6009. Et effectivement, tu te mettais sur un canal, tu te décalais en fréquence, et bien tu restais décalé sur le canal. Et tu jouais sur la fréquence, mais le canal lui restait en place. C'est, bref, 3 mois plus tard, je l'ai revendu celui-ci. Car quelqu'un qui justement en cherchait un, donc c'est très bien tombé. Et là, sur le George 2, eh bien, il est multifonction justement à ce niveau-là. C'est soit je mets en mode canal, et là, eh bien, j'ai une touche F qui me permet en double appui dessus de basculer direct sur les terminaisons 0. Donc ça, c'est vachement pratique quand tu es en voiture. Et je rappuie à nouveau dessus, tac, je retourne en terminaison 5. Ça, c'est vrai que c'est nickel, ce truc-là. Ou alors, je modifie un réglage à l'intérieur pour le passer de off sur on. Oui, je crois que c'est dans ce sens-là. Et là, pour le coup, je passe en mode VFO et je fais clignoter le chiffre que je veux, quoi. Ou si tu préfères, je déplace les virgules que je veux. C'est en gros, voilà, c'est j'ai ces doubles possibilités, quoi. Celui que j'ai, je trouve que c'est vachement pratique, parce que sur la nouvelle version, tu peux régler le bas, tu sais, quand tu tournes le bouton, tu te mets en haute fréquence, tu règles le bas. Et là, ils ont mis le bas à 5 kg. Ce qui fait que quand tu vas tourner ton bouton, moi je vais appuyer sur mon petit boîtier avec les deux boutons up and down, là, je suis en 5 kg. Donc
à 630, tu vois. Ce qui fait qu'en fait, je monte de 55. Et, voilà. Et ça, ça n'existait pas sur l'ancienne version. Il n'y avait que... Il n'y avait qu'un pas de 10 kilos qui correspond les trois quarts du temps quand tu montes un canal. Et ça, je trouve que c'est vachement bien. Non, il est... Moi, je trouve qu'il est bien. Il est bien, et sur ses derniers postes, je crois que toi, tu dois avoir le même système. Au niveau réception, là, j'ai deux filtres, le NR et le NB. Et le NR, ben, il est juste bluffant, quoi. Je pense que tous ces postes de dernière génération, ils ont tous le même système. Maintenant, j'ai regardé quelques-uns qui avaient exactement pareil. Et le NR, là, j'ai cinq positions, et ça t'enlève le souffle derrière, c'est impressionnant, quoi. Et t'arrives à recevoir des stations... Si tu mets pas le filtre, en fait, tu les prends dans les QRM, tu comprends pas ce qu'ils disent. Et en mettant le NR et en remontant derrière un peu le volume, eh ben, ça arrive à passer. Voilà, je sais pas si t'as pareil, toi, sur le tien, Rémi. Ouais, je crois que NR, ça doit être abréviation de NRC, hein, je pense. Et oui, j'ai cinq positions de réglage dessus. Là, tel qu'il est enclenché, il est aussi bien en émission que réception. Donc, émission, je l'ai réglé à 3, et réception, ben, d'après des vidéos que j'ai vues sur Internet, ben, j'ai réglé à 3 aussi. Et ça a l'air de bien faire le travail comme ça, quoi. Bah oui, ça, j'ai pareil, hein. Je pense que tous les postes, hein, ils font le même système. Hein. Ils ont décidé de sortir ça, et tous les constructeurs, ils font pareil. Et j'ai effectivement le même truc, quoi, sur l'émission également. L'émission, tu peux mettre le filtre aussi. Mais là, je voulais te demander, là, parce que tu parles vraiment très bien, t'as combien de watts là, en émission? Ah, oui, t'as raison, hein. J'ai au moins ça. Hein. Ah, quand même, alors. Alors, bon, le poste, lui, il est réglé à la moitié. Il est à 50% là au niveau du poste. Ce qui me fait 5 watts AM et alors 35 divisé par 2 en BLU. Voilà. C'est, mais bon, au coup de sifflet, parce qu'en modulé, on perd facilement. Il reste plus que quoi en modulé. Eh bien, sur la moitié de la puissance, en modulé, on va dire, il y a que 70-75%. Ouais, 75% en gros, et vu la gueule que j'ai au micro, 80-85-80% de modulation, donc de puissance qui est envoyée. Voilà. Et sur et derrière, c'est un Zetagi MB plus 5, et je suis à la cinquième position. Voilà. Et d'ailleurs, 4 ou 5, il n'y a pas grande différence au niveau sortie. Et là, je dois être autour 200, je crois, ou 190, autour de ça. Ouais, dans cette fourchette-là. Alors, mon but est de, par rapport aux stations fixes, je peux le faire sortir davantage, hein, évidemment. Mon but est d'être à égal par rapport aux stations fixes. Donc quand je roule, eh bien quand je commence à perdre une station, je le perds en même temps, et inversement. Autrefois, quand un OM me disait en fixe avec son DK que je commence à perdre, lui m'arrivait encore à Santiago 8. Je me suis dit, là quand même, il y a un malaise. Là, on ne me le dit plus depuis ça. Mais par contre, je suis à égal de chaque côté. C'est donc toi, ça m'intéresse pas de lui faire sortir plus. Ouais, d'accord. Alors, par contre, j'ai pas compris au niveau puissance là, combien t'avais exactement. Tu me diras ça en retour. Mais tu me parles de Zetagi MB plus 5. Donc, t'as quoi, t'as le même micro que moi dans la voiture? Alors attends, n'importe quoi, MB plus 5, n'importe quoi. Il y en a qu'un qui pourra raconter des conneries, c'est bien moi. C'est le Zetagi B550P. Voilà, c'est le Zetagi B550P. Voilà, c'est, il est fixé sous la boîte à gants et puis il va jusqu'à toucher au fond, quoi, tellement qu'il est long. Quoi. Non, mais je me suis complètement planté. Je suis avec le micro d'origine et tu vois que ça suffit largement. Oui, d'accord. Donc, parce que je voulais faire un test par rapport à la puissance là, parce que j'ai un petit ampli moi aussi derrière, je l'ai coupé. Qui n'est pas allumé. Donc je voulais savoir actuellement combien tu sortais donc du coup. Alors là, je l'ai coupé là.
Là, je suis juste avec demi-puissance du poste, donc 35 divisé par 2, qui doit faire autour de 17, mais 17 au coup de sifflet. Hein. Donc là, je dois être certainement à 15 watts. Ouais, je dois être en modulé, je dois être facilement 14-15 watts modulé, quelque chose comme ça. Quoi. D'accord, ok. Eh bien, écoute, là, t'es signal 5. Donc, tu vois, ça correspond bien parce que c'est ce que j'ai aussi à peu près. Je dois être à un peu plus de 10 watts en coup de sifflet. Et en modulé, je dois être à 8-9 watts, quelque chose comme ça. Et donc, et après, quand tu mets l'ampli, du coup, tu passes à combien? Eh bien, voilà. Là, je l'ai re-enclenché. Là, je passe à 190-200. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, plus, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie, je ne vois aucun intérêt de pousser plus, même si je pourrais. C'est mon but, comme je disais tout à l'heure, en puissance rayonnée, en portée, voilà, pour parler comme ça, en portée d'antenne, ça me permet d'être, d'avoir les mêmes reports que les stations fixes. Oui, tout à fait. Voilà, donc moi, je viens de mettre l'ampli, là, voilà. J'ai mis l'ampli, donc moi, c'est pas un Zetagi, c'est un petit RM, hein. KL203, les amplis à 50 euros, hein, que tu trouves sur Internet, là, pas cher, voilà. Donc, j'ai mis l'ampli, et puis après, là, en puissance vraiment maxi, coup de sifflet, je dois arriver à une centaine de watts, et là, en modulé, je dois être à 60-70. Ok, voilà, ok, ouais. Ouais, ben toi, là, tu frôles le Santiago 7. C'est, voilà ce que ça donne. Mais de toute façon, pour doubler la puissance, il faut beaucoup plus de puissance. Hein. Pour n'importe quoi, doubler la portée, il faut vachement plus de puissance, donc il n'y a aucun intérêt. Hein. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, mon seul but, c'est d'avoir le même rendement, on va dire, la même portée que les stations fixes. Comme ça, pour être sur le même pied d'égalité. Voilà, c'est juste ça mon but et pas plus. Ouais, non, mais c'est impeccable, hein, comme tu fais là, c'est nickel. Non, après, c'est vrai que comme tu dis, ça sert à rien de monter à je sais pas combien. Mais c'est vrai que bon, quand t'es en mobile, automatiquement, ben, t'as une perte de signal par rapport à une station fixe, effectivement. Donc en faisant ça, ouais, c'est un bon compromis. C'est un bon compromis ce que t'as fait, ce qui fait que t'es à égalité avec une station fixe à peu près, voilà, qui aurait une centaine de watts ou 80 watts, voilà, comme sorte une bonne partie des cas métriques, quoi. Bon, ben, ok, ouais, très bien. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir comme ça, parce que c'est vrai que à chaque fois qu'on s'était parlé, c'était un peu des fois tiré par les cheveux, mais là, c'est agréable de faire des QSO dans des conditions comme ça. Ah ben oui, c'est sûr, hein. C'est vrai que là, waouh, c'est... Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, toi, il y en a qui me disent comme ça, mais là, au lieu de prendre le George 2, pourquoi t'as pas pris le Washington, je crois, son grand frère, qui lui développe beaucoup plus de puissance, et par contre qui oblige à avoir le ventilateur au cul. Mais quel intérêt j'aurais d'avoir un poste plus puissant avec ce que j'ai derrière? C'est là par contre, en ayant le George 2 réduit comme ça à 50% de la puissance, l'intérêt je le vois largement. Puisque déjà là, ça fait déjà quelques heures là que je suis en fréquence, que je suis avec le micro et à chaque fois je suis un grand bavard. Et bien là, je suis en train de toucher le radiateur, il est simplement tiède. Voilà, tout simplement quoi. Voilà, il tourne à 50% de son régime, le radiateur est tiède. Donc le poste est tiède, donc moins de risque de déviation en fréquence ou quoi que ce soit éventuel et tout. Parce que même quand c'est neuf, un poste mobile reste un poste mobile. Hein. Il ne peut pas avoir la technologie d'un gros décamétrique et tout ce qui s'ensuit. Hein. C'est voilà. Donc toi là, c'est. Je pense que j'ai fait le meilleur compromis. Hein. C'est après l'ampli, je le mets pas, je baisse la puissance, je reste à la position 5. Bon, peu importe, après, j'adapte de ce côté-là, après, suivant les conditions, quoi. Eh bien, écoute, on fait exactement pareil, parce que moi, je pars du même principe
malgré que je sois tout le temps en fixe. Moi, je suis pas, j'ai pas de station mobile, mais je fais exactement pareil. Je fais exactement pareil avec le petit ampli, et je le mets. J'ai jamais mis, je crois, la puissance à fond sur le poste. Et quand je veux la puissance, ne serait-ce que du poste, ben, j'allume toujours l'ampli et je mets le. Et je mets le TX à la puissance minimum, c'est-à-dire aux alentours des 2 watts, je crois, qui sort. Hein. Tu peux pas baisser plus après. Tu arrives à la puissance mini en FM, je crois, c'est 2 watts. Si on a M, peut-être un peu plus. Mais en FM, c'est 2 watts. Donc, quand je mets 2 watts, déjà rien qu'avec 2 watts, avec mon petit ampli là, à 50 euros, ben, j'arrive déjà à 30 ou 40 watts, hein, donc voilà. Et ce qui fait que là, ben, les PA, ils sont en week-end. Hein. Quand tu les mets à 2 watts au lieu de 40 ou je sais pas combien ils sortent, tu vois, parce que bon, ils t'annoncent des chiffres que tu sors pas non plus. Hein. Faut être réglo de ce côté-là. Mais je crois qu'il est donné, je sais plus combien, hein, pour 50 watts FM. Je dois en sortir une quarantaine, un truc comme ça. Mais c'est vrai que quand t'as le PA qui peut sortir 40 watts et que tu lui fais sortir 2 watts, ben, il est en vacances, quoi. Et puis derrière, le petit ampli, ben, vu qu'il peut sortir jusqu'à une centaine de watts, tu lui fais sortir 30 ou 40 watts, ben, il force pas trop non plus. Hein. Donc, c'est, comme tu dis, c'est un bon compromis et moi, j'applique toujours ça. Hein. Et quand je suis en local, vraiment avec des stations proches, ben, je reste souvent avec la puissance que j'ai du TX que j'ai mis pour attaquer l'ampli. Et je remonte même pas la puissance du TX, tu vois. Et si j'ai besoin d'un peu plus de puissance, ben j'allume l'ampli, même si c'est que 30 ou 40 watts, j'allume l'ampli. C'est vrai qu'en plus, un ampli comme ça, ben, comme je te dis, hein, ça vaut. Le dernier que j'ai acheté, je l'ai pris sans le pré-ampli de réception, donc il coûte 50 euros. Avec le pré-ampli, il coûte 60. Voilà, j'ai un deuxième, enfin plus ancien avec le pré-ampli. Hein. Et il commence à débloquer un peu, parce que ça fait longtemps que je traîne avec. J'ai habité en camping-car pendant 2 ans, donc c'est vrai que je l'ai utilisé aussi pas mal, plus là, avant quand j'étais en maison. Donc après, bon, il faut pas demander la lune, hein, ça coûte que 50 euros. Et franchement, le rapport qualité-prix, je trouve qu'il est super intéressant. Et ça me permet d'avoir une bonne puissance avec un poste CB traditionnel. Voilà. Sinon, après, pour info, au niveau de l'antenne, ben, c'est comme d'habitude. Je suis toujours avec ma Game Master 5/8 fabrication maison, voilà, que j'ai fabriquée et qui est montée sur une canne à pêche de 7 mètres et qui se trouve à 7 mètres du sol dans le jardin de la maison provisoire. Ok, ben, en tout cas, ça fonctionne super bien. C'est ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je suis en train de regarder l'heure. Je vais pas me faire plus long. J'aurais bien rester, mais bon, j'ai autre chose à faire à côté. Déjà, le travail de la vidéo, ça, c'est ce que je vais faire en arrivant. Puis il faut que je m'occupe aussi de mes affaires sur internet, le forum, les groupes du côté Facebook. Faut que je m'occupe de que je gère aussi tout ça. Plus, bon, toi, ça te concerne pas trop parce que bon, t'es trop loin. Je gère aussi maintenant un groupe Facebook qui est justement propre au Castillonnet et puis ses environs. Puisque quand j'ai fait une recherche justement là sur Facebook au niveau régional, j'ai bien trouvé 2 groupes sur la région. Oui, bah, il y en a un qui est à l'arrêt depuis 4 ans et l'autre qui est à l'arrêt depuis 9 ans. 15 jours après leur avoir fait une demande d'ajout, toujours rien, je me suis dit ok, là il y a un vide. Et puis ça va, puis il se remplit. Hein. C'est ça partage de partout, ça plus ça va, et puis il y a des gens qui viennent dessus, là, s'inscrire et tout, ça. Donc il y avait un vide à ce niveau-là à combler pour les gens. Mais bon, moi ça me fait tout autant de boulot en plus après derrière. Je l'ai cherché, c'est bien fait pour ma pomme. Et j'y mets tout ce qui est activité, sortie, événementiel et tout et tout et tout. Tout ça dessus. Les gens y mettent ce qu'ils ont envie de vendre et tout. Le truc de la vie, quoi. Voilà. C'est. Mais bon, derrière, il faut gérer ça aussi. Alors plus 2 groupes radio, un CB, un tout radio, plus le forum qui est très gros.
J'ai pas mal de taf là, plus les blogs à côté, plus les vidéos, plus. Donc là, va falloir que je pense à QRT là. Oui, tiens, allez, de suite, pendant que j'ai le micro, je t'envoie les modes 73-51. Ouais, il est pratiquement 16h30. Le temps de me mettre au boulot, ça va le faire. Merci pour le QSO. Et ben, tu verras, tu auras tout ça dans la vidéo. Tu pourras voir comment tu passes. C'est vraiment super. Hein. Alors, pour les stations qui sont derrière, pour la petite anecdote, je leur tends la perche. Oui, je suis obligé de garder le moteur en marche. Voilà, bon. C'est mon groupe électrogène, là, pour le coup, là, le push, là, pour le poste. Hachi. Merci pour le QSO, les 213-51 toi. Mardi, vendredi matin, je prends la route direction le Cap Ferré, bon, n'importe quoi, le Pas-de-Calais. Voilà, on va passer quelques jours là-haut pour revenir, je sais plus. Mais il va falloir que je regarde si j'ai pas l'anti-bavard demi des fois. Ben non, il y aurait un bip. Non, c'est moi qui fais le con au niveau de la pédale de micro. Ouais, enfin bon, bref, je sais plus si c'est mercredi, jeudi, c'est dans ces eaux-là, je sais plus trop, là, qu'on revient. Voilà. Allez, merci à toi, les 213-51, bon QSO pour la suite, avec d'autres stations, à plus. Et le Québec, ben, pour le coup, j'aura pas entendu. Gilles, 9, bravo, Charlie, 555, c'est bien dommage, mais bon, on t'a pas entendu. Les autres OM du 625, pareil, on les a pas entendus non plus. Bon, ben tant pis, on a occupé la fréquence, c'est déjà ça. Retour à toi. Bonjour, bon retour à l'écoute, 73. Ouais. Ouais, ok, ça marche Rémi. Ben écoute, en tout cas merci pour le QSO bien sympa. Et puis je regarderai ta vidéo. Hein. C'est vrai que là je pense que la qualité doit être bonne par rapport à la dernière fois. Donc ça me donnera un peu une idée justement de la modulation par rapport au léger écho que j'ai mis derrière. Passe une bonne journée, mais je te souhaite de bonnes vacances, hein, parce que je pense que tu es en vacances du coup. Passe de bonnes vacances et puis, ma foi, au plaisir de se retrouver dans d'aussi bonnes conditions. Bye bye. Merci et enregistrez le break. Alors pour l'écho, ben, je vais te dire que là, n'en rajoute pas plus, n'en enlève pas non plus. Il te booste la modulation et là c'est nickel, propre, net. J'ai même fermé du coup la fenêtre du côté passager là pour prendre là, sur la fin comme il faut là. Enfin quoi que j'ai pas trop de bruit, mis à part le bruit du moteur. Petit retour sur la station qui vient d'arriver pour lui envoyer les bonnes 113-51 avant de QRT. 14, bravo Charlie, 33-01, Rémi, Dandy 33 sur la colline de Saint-Magne-de-Castillon. Ouais, ok, c'est Manier de Castillon, ici 14 Lima Bravo, 033 là sur Cadillac sur Garonne. On n'a pas être bien loué, mais je sais pas où j'ai l'antenne tournée vers le 60 degrés nord. Ça arrive un bon 59 là, tu essaies de Rémi. Ok, eh bien, qu'est-ce que je vais dire? Oh, ben, la colline de Saint-Magne de Castillon, de toute façon, là, j'arrose tout autour. Hein. Donc là, je suis au point le plus haut ouais, de la colline. Donc là, oui, ça arrose partout. Les degrés que tu as donné pour l'orientation de l'antenne, là, j'arrive pas à me la mettre à situer, là, quelle direction c'est. Je suis pas habitué. Donc, ça ne m'a pas trop parlé. Tu m'aurais dit plein ouest ou un peu au-dessus, un peu ouest, nord-ouest de ce côté-là. Bon, ok, ça m'aurait mieux parlé. Hachi, retour. Ouais, c'est de quel côté que t'es exactement, vers Libourne? Alors, je suis à côté de Castillon-la-Bataille. Voilà, donc Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. Si tu situes Castillon-la-Bataille, je suis juste un poil au-dessus. Ah oui, mais je suis pas tourné dans le bon sens, mais ça arrive quand même. Alors, je suis 57. Nord-nord-ouest, il faudrait que je tourne nord-nord-ouest. Ouais, bon, je vais essayer peut-être. Alors là, il faudrait que tu te mettes à peu près au 210, là, tu essaies de... Ah ben moi je suis en vertical hein, en tout cas. Je suis sur l'antenne du push, je suis en mobile. Mobile arrêté. Pardon. Donc là, ouais, mais bon, t'embête pas. Hein. T'embête pas pour ça, puisque là, il faut vraiment que je QRT. Je vais te laisser encore en bonne compagnie avec. Oh ça y est, j'ai oublié son prénom. Du côté de l'Aréole. Bon, il m'en voudra pas. C'est vrai que les pertes de mémoire de mon côté. Au secours, c'est mon quotidien.
Donc là, il faut que je passe vraiment en QRT. Les bonnes 113-51 à tous. Merci beaucoup. Bye bye. Ouais, quel est vos reports, là, Rémi, à OK, 57-58. Voilà. Ah, j'ai entendu un break QRP derrière. Allez, bye bye, bonne journée. Merci, bye bye. Retour sur l'aréole. Et je passe en QRT. Oui, ok, ben, salut Rémi, bonne fin d'après-midi. Et puis les amitiés à l'autre station, Lima Bravo 033. Je ne sais pas si c'est pas Bruno. Ouais, c'est bien Bruno qui était à côté. Les 73-51 de la planète Sibu francophone.